nous avons suivi en tout cas une formation d'une journée qui a été très très intéressante, très riche. Nous disons merci aux initiateurs de cette rencontre parce que ça nous a permis de s'exprimer et de connaître beaucoup de choses. Mais moi, ce que je voudrais ici demander, en tant que femme et en tant que mère, je pense que la femme est au cœur de cette rencontre. Parce que quand on parle de la femme, elle a elle-même sa personne, elle a les enfants, elle a le mari, l'époux. Donc, je dis aux femmes vraiment d'être des femmes constructives. Parce que c'est elle les bases. Quand une femme veut une société, une bonne société, elle peut. En tout cas, parce qu'elle a la volonté et elle a le pouvoir de dominer. Elle a le pouvoir, elle domine l'homme. Mais il faut que nous, les femmes, nous ressentons ça pour pouvoir avoir une société construite. Et je demande aussi à la population du Sahel d'aller à l'information. Il ne faut pas attendre, entendre les on-dits, parce que les on-dits ne sont pas des choses constructives. Mais si vous allez à l'information, vous allez trouver que ce n'est pas ce qu'on disait et on va se comprendre et notre société va être de plus en plus forte. Donc, et au niveau des femmes encore, il faut que les populations fassent quelque chose qu'on a remarqué dans la ville. En tout cas, il ne manque pas de petites querelles dans les familles, dans les quartiers, mais il faut que les gens aient le courage de faire des petites réconciliations. Donc, ça nous permet d'aller de l'avant. Il y a des moments, les gens dans les concessions, dans les familles, dans les quartiers, moins de disputes, ils ne se parlent pas. Mais je vois qu'il n'y a pas ce lien-là comme ça pour pouvoir réconcilier ces personnes-là sur le champ ou bien, en tout cas, deux ou trois jours après, et après le conflit. Donc, je demande à tout le monde d'être un bon leader, d'être une personne constructive. Là, notre société va aller de l'avant et la région du Sahel va retrouver sa paix d'entendre comme nous le souhaitons. Et je demande aussi d'accompagner nos FDS, d'accompagner les bonnes volontés pour qu'ensemble, on puisse relever le défi.